Soufiane ? Oui. Rappelle-moi combien de survies qu'on a commencé sur Minecraft et qu'on n'a jamais fini. 12. Non, il abuse, t'abuses. Non, franchement, non. 3, 4, allez, 4. 4 survies qu'on n'a jamais fini. C'est la bonne. Ça va être une grande aventure de 3 épisodes. 3, 4. Non, sérieux. Non. Là, ça va être un truc de fou. Parce qu'en fait, je vous explique, on a ouvert un serveur modé. Donc, c'était vraiment... C'est un projet de longue date déjà. Ça fait combien de temps, Alexandre, qu'on est sur ce serveur ? Des mois, des années, des siècles. Non, sérieux, ça fait quelques mois. Ça fait au moins quelques mois que toute la team du Discord, ils travaillent sur le serveur. Donc vraiment, si vous voulez venir jouer avec nous, eh bien n'hésitez pas, vous venez sur le Discord, voilà, et vous avez un lien dans la description, et vous demandez, bien sûr, Alexandre, il va tout vous expliquer. Si vous voulez jouer. Et aujourd'hui, les gens, du coup, on est parti pour aller visiter le serveur Minecraft qui va ouvrir, je le rappelle, en public dans très peu de temps. Donc, quand vous verrez cette vidéo, le serveur sera déjà ouvert, bien entendu, je le répète, mais rejoignez Discord. Et donc, Alexandre, qui est là, bien sûr, on a pris un guide avec nous. Voilà, ce sera lui le saint guide, parce qu'à chaque fois, quand on joue avec Sofiane, on va jamais très loin quand on joue avec Sofiane, bizarrement. C'est bizarre, on va jamais très loin quand on joue avec toi. Ouais jamais. Pas moi quand je joue tout seul, je vais loin. Hein. Ouais, bah moi aussi, c'est bizarre. C'est bizarre, hein. Moi aussi. Il y a un problème quelque part. Bon, Alexandre, alors, dis-nous tout. Donc c'est un serveur déjà, on va dire, dans l'univers un petit peu pirate. C'est ça qu'on peut dire, Alexandre? Ouais, médiéval pirate. Moi, en tout cas, j'adore cet univers. Comme vous le voyez, j'ai sorti les lunettes Minecraft. Puisqu'on est totalement dans le thème. C'est juste magnifique avec les shaders. Donc, on va vous expliquer. Parce qu'en fait, quand vous allez apparaître, c'est-à-dire ici au spawn. Hein. C'est ça, Alexandre? Ouais. Donc, ce qu'on va faire, je pense que dans cet épisode, Alexandre, on va dire qu'on va faire une visite du serveur. Une visite du spawn pour les gens. Et puis, on commencera la survie dans un prochain épisode. On va dire que c'est l'épisode 0, celui-là. En tout cas, les gens, toujours, hein, si vous êtes chaud pour la survie modée et tout avec Sofiane et Alexandre, les gens, je compte sur vous, faites péter les likes. Hein. Voilà, faites péter les likes et tout. Ça fait toujours plaisir. Ah, il avance, là. Voilà. Allez, c'est parti. Eh ben, il y a un tutoriel, déjà. Oh, ok, d'accord. Clique droit dessus. Alors aussi, il y a un système de micro. Vous allez voir, on va pouvoir se parler carrément dans le jeu. C'est un truc de fou, il y a un mode micro. Donc, c'est-à-dire, c'est comme un Gmod Dark RP, en fait. Donc, quand on commence la partie, les gens, ce que je vous invite à faire, c'est bien sûr lire le tutoriel. Vous allez avoir tout ça à lire. Donc là, si vous voulez lire, vous mettez pause. Mais bien entendu, le mieux, c'est que vous veniez sur le serveur. Et que vous vous mettiez à lire le tutoriel, donc il y a les règles, il y a tout ce qu'il faut. On suit Alexandre, une fois que vous avez lu le tutoriel, voilà, on se dirige par là. Nous on l'a déjà lu, bien sûr. Donc là, vraiment, super sympa le spawn, vraiment très bien fait. GG la team du Discord, vous avez vraiment fait un truc de ouf. Vous voyez qu'il y a des PNJ un petit peu partout, il y a des gardes et tout. Vous voyez par exemple, tu vois, Ouais. C'est quoi ça, je suis où là? Dans une maison, là justement il va falloir parler à lui là, au roi. D'accord, donc là, ah ça c'est le roi. Iron, le roi, d'accord. Te voilà enfin, jeune villageois, et bienvenue dans ma demeure ainsi que dans ma petite ville. Tu es venu ici te présenter comme l'a indiqué tutoriel. Alors, quel est ton nom? Jolat, bonjour mon roi, je me prénomme Jolat. Ah, voyez qu'il y a une petite histoire et tout, donc encore une fois, je vous laisserai lire. Et là, donc, d'accord, au revoir mon roi, des lois, mais puis quoi encore? Donc, je pense qu'il faut dire d'accord, des lois, ok. Voilà, c'est vraiment bien fait, ça a un petit côté RP, tu vois, un petit côté RP, RPG. Moi, j'adore Minecraft RP. Minecraft RP, ouais, c'est ça, donc ça va être une survie, hein. C'est survie un peu classique quand même. Ouais. Voilà, ouais, mais... c'est pas obligatoire, après, tu fais ce que tu veux. Ouais, t'as des quêtes et tout, franchement, ça va être sympa. Par contre, j'ai vu que t'avais du commerce un petit peu, t'as une place du marché. Y en a qui vendent des objets, tu peux en acheter, etc. Ouais. Faire des échanges. Puis on mettra les quêtes à jour aussi. Ouais, donc, des nouvelles, ça va être cool, ça. Yes. Ça va être very good and very nice. Donc moi, bien sûr, je relirai tout ça. Hein. Donc là, on a été TP... What? Dans la salle où déjà t'as les astuces, donc t'as la petite astuce pour ceux qui viennent d'arriver. D'accord. Ah ouais, ça c'est la salle tuto. Ok. Les lois. Et ça c'est les tutos pour les plus gros modes en tout cas du serveur. D'accord. Alors par contre, j'ai pas. Par contre, faudra peut-être mettre un petit truc sur le Discord pour dire quel mode il y a à télécharger. Tu vois? Ouais, mais c'est bon, c'est déjà fait. Hein. Un truc comme ça? Ouais, yes, ok, nickel. Eh ben, c'est nickel. Eh ben, vous savez quoi? Eh ben, on relaiera la vidéo dans le Discord pour que vous alliez télécharger les mods et tout. Voilà. Ça vous explique comment installer Minecraft avec les mods, comment nous rejoindre et tout. T'as fait tout ça, Alexandre? Ouais, c'est déjà fait. Eh ben, GG, un petit like pour Alexandre, vraiment. C'est joli, vraiment, dédicace à vous, les gars. Hein, la team Discord, là. Tu vois ce dédicace. Truc, Nathan, là. Ouais. C'est bon, ouais. Il est posé. On peut dire quand même qu'Alexandre, j'avais des grands projets à l'époque. On peut dire qu'il y a une construction d'un...
Il y a un phare qui s'est construit sur ce serveur. Malheureusement, il a pas tenu le coup. Il a coulé. Voilà. J'avais construit un grand phare. Vraiment, il était grand en plus. Hein. On avait fait un truc un petit peu tous ensemble et tout. J'avais mis ma patte et tout. Mais bon. J'ai fait un phare, monsieur. Ouais, parce que j'aime bien les phares. Alexandre, on parle à Daniel. Donc, Daniel, tu veux retourner au spawn, c'est bien ça? Bah oui, bien sûr. Donc là, vous voyez que c'est la salle un petit peu des astuces et tout. Là où tout est expliqué. Il y a même une salle où il y a tous les modes d'installer, je crois, Alexandre, il me semble. Ouais, bah il y a une salle où il y a les explications des modes. Les explications des modes et tout. Il y a vraiment beaucoup de modes. Hein. Apparemment, il y a un mode pour aller dans l'espace. Ouais. Et c'est quoi, un mode aircraft ou... Je sais plus. Craft. Ça, c'est le passeur pour aller au monde survie, ça. Exactement. Un petit peu, là. Bonjour, je suis Madame Jolatte et je voudrais aller au monde survie. D'accord, monsieur. Ah, il me dit non. Ouais, faut que tu reparles au tutoriel. Je ne te connais pas, je te conseille de parler à tutoriel avant. Je pense qu'il pourra t'aider. D'accord. Tu m'as donné ses steaks. Tutoriel, merci, tutoriel, Xaf. Tutoriel, tutoriel, il m'a filé des steaks. Et là, après, on va voir le passeur. Je souhaite aller au monde survie. D'accord, je ne bouge pas d'un poil. Yes! Donc là, nous sommes au monde survie. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Waouh! D'accord, et donc là, c'est là que va y avoir le système de commerce en fait. C'est là on que va pouvoir. Des Ah, franchement, ça tue, c'est trop bien. Tu peux échanger des diamants contre des arcs, de la bouffe, des flèches et tout. Vraiment, c'est génial. Hein. Là, vous voyez, vous pouvez échanger les lagos de ferraille contre de la nourriture et tout. Ouais, vous avez fait un truc propre, les gars, le forgeron. Ouais. Ah, c'est des habits en quoi ça? C'est des nouveaux habits. Ah ouais? Des nouvelles armures qui sont plus puissantes que celles de base. Plus puissantes que celles en diamant? Ouais. D'accord. Non, les trucs d'assassin et tout. Ouais, c'est quoi, c'est un truc de Mickey ça? Un costume de vache, mon vieux. Et après, à partir de où, on va pouvoir faire la survie, Alexandre? Franchement, là, ça déchire. Carla? Qu'est-ce qu'elle veut, Carla? Carla, quelle belle journée, qu'elle me dit. Bonjour, Jolotte. Quelle belle journée. Vas-y, mon vieux, elle répète tout le temps la même chose, Carla. Bonjour, jeune homme. Tu es tellement fainéant que tu veux que je t'emmène au loin. Non. Je vais pas me téléporter, moi. Je veux sortir du spawn. Je veux montrer un petit peu aux gens. Dis donc, vous êtes partis loin, les gars, là, déjà, là. Il y avait pas d'ailleurs une salle avec tout. Oh, putain. Oui, je vais pas là-dedans, mon vieux. Il y a des loups-garous et tout. Il y avait pas une salle, Alexandre, avec tous les gens qui ont participé au serveur? Si, attends, je vais te montrer. Comme ça, on va faire une dédicace à tous ceux qui ont participé à la construction du serveur. Vraiment, GG à vous, tout le monde, quoi. Mesdames et messieurs. Vous avez fait un truc de ouf. Alors, je vais vous montrer, mais là, par là, il y a un bateau pirate, il me semble. Ouais, yes, mais c'est juste magnifique. Et là, donc, en fait, si vous voulez, si vous continuez par là, voilà, donc là, par là, vous sortez du spawn. Hein. Et puis après, c'est la map Minecraft, comme d'hab. Avec tous les biomes et tout, c'est le monde survie, quoi. C'est ça. Vas-y, je vous téléporte. Donc là, tu nous fais retourner au spawn, Alexandre? Ouais. TP, yes. Ouais. Ah, yes, regardez. Donc là, ouais, c'est tous les gens qui ont participé à la construction du serveur. Alors, donc, merci vraiment. Barsat, merci ouais. KU02. Voilà. Merci. Voilà. Merci tout le monde. Merci tous ceux qui se reconnaissent. Cora, Silversat, Pas U Weather, KFX Axel. Tout le monde, voilà, vraiment, GG à vous, les gars. Ça, c'est toutes les personnes qui ont participé à la construction du serveur. Ouais. Lui, il a rien fait, lui, là. Ouais. Il a fait que dalle, lui, là. Toi, t'as fait quoi, toi? Moi, j'ai construit un phare, monsieur, j'ai construit un phare. Il a coulé, mais je l'ai construit. Moi, j'ai voilà. Fait deux blocs, c'est bien. Donc, warp, exploration, spawn. Ouais. On va retourner au spawn, je pense. Voilà, donc aujourd'hui, vraiment, les gens, la vidéo va être consacrée à la visite du serveur. Et après, donc là, ça va être l'épisode 0, on va dire. Après, par la suite, on va vraiment commencer la survie modée et tout, mais ça va être un truc de fou parce qu'on va pouvoir faire du commerce et tout, comme je vous le dis. Il va y avoir des quêtes modées et tout, vraiment, ça a l'air d'envoyer du lourd. Prochainement. Ah ouais. Prochainement ouais. Ça arrivera sûrement après, c'est une sorte de bank. C'est en développement. C'est en cours, ouais. En cours. Ouais, non, mais c'est super beau. Hein. Ça va être bien. Ouais, on va pouvoir emprunter à la banque. Marché entre joueurs, voilà, pour l'instant, ça, on pourra pas le faire. C'est en développement, cette salle, ok. On n'a pas le skill adéquat pour l'instant. Donc, Alexandre, on te suit, si tu veux bien nous montrer peut-être une autre pièce. Ouais, on va aller voir. Sofiane n'a pas encore le skill adéquat pour aller visiter là-bas, bien sûr. Mais dégage. Il va l'avoir. Dégage. Il va dégage. 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 Dégage-la. Dégage-la. Voilà. Allez. Ah, c'est Pierre, joli par là. Bonjour, marchand. Marchand insolite. Salut, Pierre. Ouais, on peut faire de la guitare. Arrête. Ah ouais, on peut faire de la guitare. Alors, bien sûr, les gens, hein, toujours, il y a la survie hardcore qui est en cours, qui n'est pas finie, bien entendu. Celle-là, elle est toujours... Elle est en solo. Et il y a la survie en multi qui va arriver en parallèle
avec bien entendu nos deux jeunes chevaliers médiévaux, j'ai nommé Sofiane et Alexandre. Magia, mon champ, faites attention. Ah bah faut laisser son champ. Donc là c'est encore une quête au niveau du fermier. Ici on a une quête ici. Au fermier là faut lui ramener 64 blés. C'est bon, marqué où qu'il faut que tu y ramènes ça en fait. Ah on a une carte et tout. On a un guide. Donc, ah, ok, ça c'est pour Clem. On a une carte carrément, les gens. C'est un truc de fou. On a une carte et tout. N. Ah, bah oui. Voilà, c'est N. C'est N. Et en fait, du coup, si tu veux même faire encore mieux, tu ouvres ton inventaire et tu cliques sur le livre, tout simplement. Exactement. Voilà. Arrivé à Agios. Donc, ça, d'accord. Dialogue, quête passeur. Se rendre à la survie. Voilà, ouais, objectif de la quête, se rendre au monde survie. Alors, il y a une tour hantée sur le serveur. Une tour bien lentée avec une dame blanche. Hein. On va pouvoir partir à la chasse aux fantômes par ici. Donc là, on est toujours dans le spawn, les gens. Ça, c'est pas le monde survie. Le monde survie, c'est l'autre, c'est de l'autre côté, hein, comme je vous ai montré. Ouais. En fait, il y a deux plateformes. Il y a le monde survie et le spawn, quoi. Donc là, il y a la forge. C'est ça, la forge. Bonjour, ouais. Team forgeron, monsieur. Sait, bonjour. Vous faites quoi dans ma forge sans y demander la permission? What? Merde, j'ai posé mon épée. On peut passer par là et tout. Ouais, t'as une petite lanterne, le lit et tout. Franchement, c'est super bien fait. Ah, hein. Les tables de craft, par contre, elles sont bizarres. Hein. C'est une bibliocraft. Ah. En fait, c'est un mode bibliocraft, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, direction la tour hantée avec Alexandre, notre guide. La maison flottante. Ah, là, c'est pas la maison flottante. Et franchement, ça tue comme ça. C'est vraiment super stylé, quoi. Mais il y a encore, pas mal de petites choses à découvrir, que ce soit dans le spawn. Il y a peut-être des easter eggs. Alexandre a peut-être caché des easter eggs. Eh ouais. Peut-être que celui qui va le trouver, il va gagner une titan, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Peut-être. Si vous voulez jouer avec nous, eh bien, n'hésitez pas. Hein. Rendez-vous dans la description. Il y a le Discord. Vous venez dessus et on va pas vous demander votre CV, si vous avez le bac ou quoi. Tranquille. Vous devez juste avoir un BTS 25. Juste un BTS avec licence master. Voilà. Voilà. Bien sûr, vous serez branché sur un détecteur de mensonges. Voilà. Putain, il y a la princesse Zelda, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Il y a le château de la princesse. Ah, pas trop de spoil pour les gens. Ouais, franchement, c'est stylé. Il y a plein de PNJ et tout. C'est vraiment grave stylé, quoi. Grave. Vous avez vraiment fait un truc de fou, les gars. Grave. Les gars, les filles, tout le monde, quoi. Pourquoi tu dis les filles s'il n'y a pas de filles? Parce que moi, j'aime autant les gars que les filles. Je sais que toi, tu t'aimes que les gars. Mais voilà, moi il n'y a pas de préférentisme chez moi, les gars, les filles. Je sais très bien qu'il y a des filles qui nous regardent dans la communauté, donc les filles, dédicace à vous. Donc, la petite tour hantée, vraiment, le phare, on l'appelle le phare la de l'entité. Il y a une dame blanche, c'est mort. On l'appelle le phare de l'entité. Ah ouais, regardez ça, la dame blanche du phare. Ramène-moi à la maison. Ouais, franchement, c'est super stylé. Il y a une quête, je pense, avec la dame blanche, non, Alexandre? Laissez un petit like si vous voulez qu'on fasse une petite quête avec la dame blanche. Je suis sûr qu'on va, trouver des petits easter eggs là-dedans et un tout. Gros like. En tout cas, c'est vraiment... Mais c'est super stylé, quoi, vraiment. Moi, j'ai hâte de commencer la petite aventure, faire du commerce et tout, qu'on s'installe je sais pas où avec Alexandre et Sofiane. Bon, les gens, en tout cas, on va se laisser là pour cet épisode sur Minecraft. Voilà, si ça vous a plu, ben n'hésitez pas à le petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, bien entendu. Les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Et puis, nous, on se dit à très vite pour le premier épisode de la survie. N'oubliez pas, si vous voulez jouer avec nous, Discord. Voilà, il y aura un petit salon pour nous rejoindre. On se dit à très vite sur le serveur ou dans les vidéos. Et ciao tout le monde, bye bye. Au revoir, bye, salut bye. Alexandre, Sofiane.